found something in this world, and I know deep inside in this world. Someone is trying to get to something too, and never get up. For my life long, I'm looking for that something, and I hope it lays deep into me. Stressing me, every something is doing me. I can't live without the something so hard to define. For my life long, I'm looking for that something, and I hope it lays. Bienvenue à notre centre de formation. Alors aujourd'hui, nous allons procéder à la validation d'une formation de conducteurs de chiens qui ont été ici dans le centre pendant 4 semaines. Et là, l'objectif de cette journée, c'est de voir si les connaissances acquises pendant cette formation vont être bien retranscrites tout au long de la journée. Alors, nous allons avoir un déroulement avec la partie théorique où nous allons poser des questions sur la légitime défense, la législation, toute la réglementation en vigueur, la connaissance du chien, les maladies, les soins, l'entretien du chien, etc. pour voir si tout ça c'est bien acquis. Et après, nous commencerons la partie pratique par les exercices discipline-obéissance afin de vérifier que les futurs conducteurs de chiens maîtrisent et contrôlent parfaitement leur chien. Coucher. Pas touché. C'est bon, on récupère. On va après faire évoluer les stagiaires sur différents schémas, des schémas concrets qui sont susceptibles de découvrir dans la réalité, dans leur profession. Le premier schéma que nous allons découvrir, c'est le maître chien part en patrouille avec son chien en muselière, bien sûr. Et pendant sa patrouille, on va lui confier une mission d'aller vérifier un secteur où il y a des véhicules ou différentes choses. Et pendant sa patrouille, on va mettre en place un scénario avec une agression, avec un effet de surprise, bien entendu, pour voir la réactivité du chien et du maître sur cette surprise et s'il gère la situation en gardant son sang-froid tout en respectant la réglementation. C'est parti. On part en patrouille, vérification du secteur et du véhicule. Allez, c'est parti, on y va. Ouais, j'en veux garder, ça marche. Thank you.
maître chien Chloé Baptiste. J'étais en patrouille sur mon site lorsqu'un individu a surgi et m'a agressé. J'ai fait mes injonctions de sécurité. Comme l'individu continue à m'agresser, mon chien m'a défendu muselé. Une fois que nous l'avions neutralisé, j'ai effectué les palpations de sécurité ainsi que la fouille de la cachette, des cachettes. Sur le site se trouvait une voiture L200 Sportero rouge, immatriculation 354-660. Je vous remets l'individu ainsi que ses armes au nombre de 4. J'ai également ramené les clés du véhicule ainsi qu'il ne puisse pas s'enfuir. Je vous demanderai d'appeler les autorités compétentes ainsi que les secours si jamais il est blessé. Veuillez appeler les secours et les autorités compétentes en cas où il serait blessé. Veuillez appeler les autorités compétentes et les secours s'il est blessé. Veuillez appeler les autorités compétentes ainsi que les secours au cas où il serait blessé. Là, nous allons passer au schéma numéro 2, où là, la situation est toujours la même. Le maître chien part en patrouille avec son chien. Un individu surgit. Malgré les injonctions de sécurité du maître chien, il prend la fuite. Et le maître chien, à l'aide de son chien, doit retrouver l'individu et le neutraliser si nécessaire. Monsieur, veuillez sortir de votre cachette. Monsieur, lâchez votre arme. Guetta, halte. Monsieur, jetez votre arme. Betty, halte. Dirigez-vous vers le jury, monsieur. J'étais en patrouille sur mon site lorsqu'un individu a surgi. J'ai effectué les injonctions de sécurité, mais il s'est enfui. À l'aide de mon chien, je l'ai retrouvé. Il est sorti et il m'a tiré un coup de feu. À l'aide de mon chien, je l'ai neutralisé. Donc, je vous remets l'individu avec son arme. Veuillez contacter les secours et les autorités compétentes. Ouais. Donc, non, t'as bien entendu qu'il tire pour un des. Voilà. Juridiquement, t'étais nickel là. Impeccable. Rien à dire. Pour le troisième schéma, donc, on repart toujours sur un scénario de base identique où le maître chien va partir en patrouille avec son chien. Un individu va surgir, on va donc effectuer les injonctions de sécurité. L'individu tire avec une arme à feu, donc on va utiliser le chien pour le neutraliser. Ensuite, effectuer des palpations de sécurité, ramassage des armes s'il y a, vérification de la cachette d'où est sorti l'individu et raccompagnement de l'individu pour faire ensuite un compte-rendu oral au jury. Chien, nous l'avons neutralisé. J'ai effectué les palpations de sécurité, mon crayon de sécurité, la fouille à la cachette. Je vous ramène l'individu ainsi que ses armes. Veuillez appeler les autorités compétentes ainsi que les secours au cas où il serait blessé. Je vous laisse déposer les armes à votre
les clés de la voiture. La plaque d'immatriculation 186-152, un Kia blanc. Un fourgon blanc immatriculé 191-652. Veuillez appeler les autorités compétentes et les secours en cas où il serait blessé. C'est bon ? C'est bon. C'est bon. Merci beaucoup. Merci. Stéphane. Bravo. Bon, c'est bien. On est bien sorti. Alors, on va vous annoncer les résultats. Hein, vous voyez, on aurait pu attendre demain, mais on n'a pas voulu garder le suspense trop longtemps. Ça a été une journée, je pense, fatigante pour tout le monde. Personnellement, je tiens à vous féliciter, c'est bien. On a fait un gros travail sur ces 4 semaines. Bah, le résultat, on l'a vu aujourd'hui. Malgré le stress, malgré les circonstances que vous ne connaissiez pas, parce qu'on a essayé de vous faire des schémas que vous n'aviez pas vus. Globalement, c'est bien. Je suis très content. Hein. Faut pas oublier qu'il y a 4 semaines, la plupart d'entre vous, bah, vous ne saviez même pas ce que c'était qu'un chien, entre guillemets. Là, ça commence à ressembler à des professionnels. Alors, certes, vous avez le brevet, vous avez le permis de conduire pour ceux qui l'ont, mais vous ne savez pas tout, la route ne s'arrêtera pas là. C'est un début, hein, ça vous permet de rentrer dans le milieu de la cynophilie en tant que maître chien. À vous de continuer, de vous perfectionner. Alors, un grand merci aussi à l'homme d'attaque qui a fait une formation pendant 4 semaines, qui s'est donné à fond. Remercier et féliciter l'homme d'attaque, un petit souvenir. Voilà, c'est marqué au dos. Pour te remercier de tout ça. Le ou la première, avec 182,5, Chloé Baptiste. Félicitations. Alors, le numéro 2. Où est-il ? Aurélie. Oh, l'équipe féminine, bravo. Félicitations. 181,75, c'était pas loin en plus, hein. C'est vraiment bravo. 0,75 entre vous, quoi. Félicitations, ma belle. T'as assuré. Alors, le numéro 3, là, je peux dire le, maintenant, on sait que c'est l'un d'entre vous. Avec 181 points. Aymeric. Bravo. Bravo, félicitations. Tu m'as pas fait rigoler aujourd'hui, mais tu as fait un bon travail. Je te félicite. Félicitations. Ça a bien bossé. Alors, on va féliciter, remercier les juges aussi, parce qu'ils ont bien travaillé. Donc, on a voulu leur faire un petit souvenir. Voilà. Allez. Bravo. Voilà, un petit bruit. On attaque, allez. Des chiens, des chevaux, des hommes, hip hip. Alors, l'objectif de cette vidéo, bah, c'était pour vous faire découvrir la profession de maître chien. Alors, vous aurez un aperçu des phases d'entraînement et surtout la concrétisation, c'est-à-dire l'examen aujourd'hui, en sachant que bon, c'est un permis de conduire, c'est pas une finalité. Les stagiaires n'ont que 4 semaines de stage, qui est très peu, puisque la plupart d'entre eux ne connaissaient pas les chiens avant de venir. Mais ça nous permet déjà d'avoir une bonne base et de partir dans la profession. Et bien sûr, après, on recommande un entraînement suivi de façon à continuer de se perfectionner.